dans la région de Kédougou, les niveaux de pauvreté sont très élevés. Ils atteignent parfois des taux de 57,3% en milieu rural. La crise alimentaire de 2012 a aggravé la vulnérabilité à tel point qu'il est devenu impératif d'apporter un coup de pouce à certaines populations. Ce qu'a compris Oxfam en mettant en œuvre son projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Union européenne, dans sa politique de soutien nutritionnel et alimentaire dans le Sénégal, a bien voulu financer ce projet pour aider les populations à trouver de quoi manger dans cette période si difficile. Ce projet est soutenu par Oxfam America, exécuté par l'ONG SADEF pour aider nos populations. Ce projet s'intègre dans la stratégie de résilience humanitaire 2013-2017 d'Oxfam au Sénégal. Pour aider les populations à faire face à cette insécurité alimentaire, surtout les plus pauvres et les plus vulnérables en cette période de soutien, Oxfam, à travers son projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle, a prévu d'assister 1000 ménages parmi les plus vulnérables grâce à une distribution de bons alimentaires en deux phases. Des cash transferts ont été distribués aux ménages les plus vulnérables. Ces montants varient selon la taille des ménages. Une somme de 50 000 francs qui est remise aux populations, aux familles qui ont moins de 10 personnes et 75 000 francs aux familles qui ont plus de 10 personnes. Pour cette première phase, une enveloppe d'un peu plus de 63 millions de francs CFA a été dégagée au profit des principales cibles du projet. Donc là, nous sommes dans la première phase. En septembre également, nous allons faire une même distribution et avec le même montant. Donc, il y a une enveloppe de 63 325 000 francs qui sera distribuée pour la première phase et pour la deuxième phase. La forte mobilisation des cibles justifie l'importance de ce projet qui allège du coup la souffrance des bénéficiaires. C'est pourquoi l'administration locale a salué à sa juste valeur cette initiative de l'ONG SADEV qui vient en appui aux actions de l'État dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ceci est un geste noble que nous apprécions à sa juste valeur et que ceci coïncide vivement avec la vision du chef de l'État. Vous savez que le président de la République, son excellence Macky Sall, depuis son avènement à la tête de ce pays, n'a cessé de lutter pour le bien-être des populations vulnérables. Ceci à travers des projets qu'il mène concernant les bourses de sécurité alimentaire, concernant la distribution de services. Donc tous ces partenaires sont venus en appui à l'aide. Et pour dire que ceci s'inscrit dans la phase 2 de son plan de développement, à savoir le développement humain, la protection sociale et le développement durable. Ces sommes remises aux bénéficiaires sont destinées exclusivement à l'achat des denrées alimentaires de base. C'est pourquoi, en plus de remercier l'ONG SADEV, les élus locaux ont appelé les bénéficiaires au respect des recommandations des partenaires. Okugol Noveli, mais on te dit l'importance que Okion Konhali son nation que nous voulons vers le quoi. Parce que Django Django, sinon, on va être découragé. Pour avoir au côté de votre gauche, 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 pour avoir au côté de votre. En dehors de ces bons alimentaires, des actions seront menées dans le cadre de la prévention du péril fécal. Cette action sera suivie par aussi le don d'équipes d'hygiène dans un peu de temps, et qui sera dans les mêmes trois départements, aussi à Saraya, à Salemata et à Kédougou. Les bénéficiaires seront également encouragés à retourner vers l'agriculture. En s'appuyant sur le potentiel existant de la région, Oxfam également ne s'arrête pas sur la distribution seulement d'équipes d'hygiène ou bien de transfert de cash des bons alimentaires, mais il va accompagner ces ménages pendant 3 ans. Il va les accompagner pour améliorer leur production agricole et la qualité à l'alimentation des 2000 ménages cibles à travers la mise en œuvre de mécanismes inclusifs de développement de chaînes de valeur dans les filières agricoles telles que le fognon, le karité et le moringa. Après l'étape de Kédougou, l'équipe s'est rendue à Saraya pour une mission de supervision.
Au guichet du CMS de Saréa, c'est aussi une forte mobilisation des bénéficiaires venus des communes rurales de Missirassirimana, Madina Bafé et Bembou. Une belle occasion choisie par les différents acteurs pour adresser de vibrants messages aux bénéficiaires. Ndelta akhan saragati saragati ala halon kila halon saragati ay mo bada mi mira wo mantel al datio le mar digelem na di talma al va utiliser le comme ñam utiliser la ñamen a ñam utiliser la ñadi ka sambalu fe ngole rafi famma dem kir gu jamono ko no ngalon ko samato semi kelalu segeline de senola de moro te sabatilu wonya ntelumu ntelumu on je sa revle hon la on sa refana am au moins tente bulun sta moone ngine ni na nak ndata union européenne le ya union européenne le sonta na kunya fa nyam na kedu kunya fa yen ko senegal be jan sanjo sen a presque na lutinya ko sa ma fana be jan ferretien ni wa fa seno ke wo ferretien ko fi ran de male ko nga ba di ngul de ma i sonta e ko ki ba de ma sanji sa ba ko na de ma lo le sa etal la fana crédit mutuel ni ñu noxa baro dam ta meta te gen soya man du ni ri jibu la signa fla la dongoto folo le diati ni ra do la tambi le ni ra do la tambi ni fana ni ra do fana na tambi bi ta folo ti bi dun te kala la bantin na mi ra yato na xam ya fana mule bi xana ka la bangot men se men xari filu la godo ñi akasiya amansiya adundula akasiya amansiya. En plus des mots de remerciement adressés aux partenaires, certains bénéficiaires ne pouvaient que démontrer leur facette d'artiste face à un tel soutien utile en cette période de soudure. Tabara la jigo wo se bamba ni mujigo le de wo se bamba sara yangolu wo se bamba alla ni ko dia talia adu de duala li en fara te men ngani ko dada fo ala man sa ta nyaato ndo ko mo koy ba tun gar le tsani la nandi ne mo nti dra mo sumulu alla ni projet ni ala ma ta la nyaato ala ma ta la nyaato ala kana ni mfa man te la jang adu ngalu kawuli men kam ala ma ta la nyaato fa demba dunia da tane la bantala ye godi dembo dunia betene la bantala ye tabarani ala jamalu dunia da tane la bantala ye lele demba ila ganta sone ila barika ye godi dembo dunia betene la bantala. Des prières ont été également formulées à l'endroit des responsables de l'ONG SADEV et de ses partenaires dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.